Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Les scorpions, allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel pour cette période de janvier-février. Alors, ce sera celle-ci. La papesse. Alors, avec la papesse, on prend son temps, on a un temps de réflexion, les choses sont en train de maturer à l'intérieur, on réfléchit. On peut aussi avoir du mal à dire, du mal à exprimer, puisque la papesse reste secrète, elle garde les choses pour elle, elle ne dit pas ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. On a un temps aussi d'apprentissage avec la papesse, hein, c'est-à-dire que elle intègre les choses intellectuellement avant de pouvoir passer au stade de l'impératrice qui, elle, met en œuvre. C'est-à-dire que le battleur a les outils. La papesse lit le mode d'emploi, l'impératrice utilise des outils grâce au mode d'emploi pour créer et démarrer des choses, si vous voulez un schéma un peu basique. Mais la papesse est dans le fait d'apprendre, de comprendre des choses. Très bien, donc on va aller voir comment ça impacte votre tirage relationnel pour ce mois-ci. Allez, état d'esprit du partenaire pour vous les scorpions. Hop là, alors il y en a un paquet entier qui s'est retourné, on ne va pas le garder. Le 2 de coupe, ok, donc vous avez un ou une partenaire qui semble être dans la relation, à l'équilibre, dans la bonne communication, dans l'échange harmonieux, dans le soutien. Le 2 de coupe, c'est vraiment, c'est le duo, qui se complète, c'est le duo qui est vraiment bienveillant, apaisant, dans l'émotion. Donc visiblement, vous avez un partenaire ou une partenaire qui est dans la relation, qui est impliqué, qui s'y met à la même hauteur que vous et qui en tout cas a envie de créer ce 2 de coupe ou d'aller encore plus vers ce 2 de coupe. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Vous, les scorpions. Deux d'épée, d'accord. Alors vous, en deux d'épée, vous avez du mal peut-être à rentrer dans l'émotionnel et vous êtes en train d'essayer, alors vous savez, c'est que du 2. Pour l'instant, on est la papesse 2, le 2 de coupe et le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il réfléchit, il essaye de savoir ce qu'il a à faire pour la fois d'après. Il fait ses devoirs, le 2 d'épée. C'est celui qui fait la liste de courses, c'est celui qui fait, qui définit un trajet, qui décide, vous savez, c'est celui qui fait comment on appelle ça? Ah, je ne vais pas avoir le mot, c'est dommage, je l'avais, il m'a échappé. Quand on prévoit un itinéraire qui fait le truc sur Internet pour voir combien de temps ça va prendre, quel est le tarif de l'autoroute, voilà, c'est ça le 2 d'épée. C'est celui qui essaye d'anticiper, qui essaye de prévoir et qui est dans le mental. Bon, en tout cas, on est dans la passivité. Aussi bien avec le 2 de coupe d'ailleurs. Le 2 de coupe, il est très doux, très bien, mais il n'est pas dans l'action par contre. Hein. On est sur des énergies très passives. Bon, on va voir quelle est la problématique. C'est comme si vous essayiez de comprendre ce qui se passe. C'est assez intéressant, les scorpions, parce qu'entre la papesse et le 2 d'épée, on a une espèce d'intellectualisation de qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse. Il y a comme une réflexion autour de la relation. Bon. Alors, vous qui êtes pourtant un signe d'eau capable de fortes émotions, c'est assez surprenant. Quelle est la problématique? Le 3 de pentacle. Ok. Le 3 de pentacle, c'est les résultats.
C'est quand on commence à voir les effets de ses actions. Et c'est la problématique. Alors, est-ce que vous ne voyez pas les résultats de vos actions? Est-ce que les choses n'avancent pas? Est-ce qu'il n'y a pas de construction? Et que ça reste dans du de très passif, c'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose qui est à l'état et qui n'évolue pas. En tout cas, il y a une problématique de reconnaissance aussi de ce qui est en train de se créer, et de concrétisation avec le 3. Rappelez-vous, hein, le 1, les outils, le 2, le mode d'emploi, le 3, on commence à mettre en œuvre. Donc ici, visiblement, il y a des difficultés de concrétisation, de mise en œuvre. Qu'est-ce qui va vous aider? L'as de bâton, et oui, forcément, de vous mettre en action. Si c'est un problème de concrétisation, qu'il y a trop de passivité dans la relation, eh bien, l'action, la mise en œuvre, le démarrage de quelque chose, se pencher sur un projet, aborder les choses, ou si c'est une relation qui n'a pas encore démarré, qui est en train de se nouer, l'as de bâton, clairement, vous dit, passez à la phase supérieure, allez-y. L'as de bâton, c'est le désir, c'est la sexualité, c'est aussi la vigueur, l'énergie, l'enthousiasme, c'est tout ce qui va avoir à faire avec les instincts. Donc ici, on vous dit démarrez quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous motive, qui vous donne envie, qui vous plaît. Mettez-vous en œuvre, démarrez l'action. Prenez les initiatives. Ce qui ne vous aide pas. Oh, ben celle-ci est tombée, on va la garder. Le 4 de bâton. Ok. Le 4 de bâton, c'est le fait de fixer, le fait de... vous savez, le 4 est une carte qui vient entériner, solidifier. Alors, elle peut être bénéfique quand on veut de l'engagement, quand on veut de la sécurité. Par contre, elle est aussi un petit peu dans l'immuabilité quand elle est en négatif. Et là, on vous dit, encore une fois, on avait des énergies 2. Ici, on a du 4 en négatif. Donc, peut-être qu'il n'y a pas assez de mouvement. Peut-être qu'il n'y a pas assez de choses qui se mettent en route. Le 4 de bâton, c'est aussi le fait de célébrer la joie. Donc, est-ce que il n'y a pas assez de projets qui vous enthousiasment ensemble, ou est-ce que la relation elle-même n'est pas assez enthousiaste? À voir ce que ça vient signifier. Parce qu'ici, le 4 de bâton, s'il avait été là, je vous aurais dit, engagez-vous, pérennisez les choses, allez de l'avant. Mais il est en négatif, donc ça veut dire que non, il ne faut pas pérenniser les choses telles qu'elles sont. Puisqu'on est dans une problématique de construction et peut-être de passivité, il faut d'abord passer à l'action avant d'aller entériner les choses. Quelle est l'intention du partenaire? Huit de bâton. Très bien, parfait. Parce que le partenaire, dans cette énergie 8 de bâton, c'est quand même la rapidité, le changement, le mouvement, le dialogue, surtout le dialogue, les échanges rapides, intenses, où on peut discuter. Donc, avec ce 8 de bâton, pardon, vous avez la possibilité d'aller discuter de ce qui, visiblement, pose problème dans la construction. Avec un as de bâton qui aide et un partenaire en 8 de bâton. Et surtout en deux de coupe, ça veut dire que le partenaire a visiblement l'envie d'équilibrer la relation et donc de la rendre plus dynamique. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous, votre intention? Deux de pentacle. Bon, les scorpions, vous êtes un petit peu... Vous êtes un peu à l'arrêt. Le 2 de pentacle, c'est j'essaye de concilier les choses, j'essaye de... toujours pareil, on est dans la réflexion, dans l'anticipation, dans entre l'épée et le pentacle, vous avez du mal à connecter émotionnellement. Bon. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce 3 de pentacle pour que vous soyez dans une espèce de neutralité qui ne vous permette pas d'aller enclencher... l'émotionnel. On va voir avec les conseils, on aura des pistes probablement, puisque les conseils s'adressent à vous, on aura des pistes de ce qui se passe, hein. Résultat, où est-ce que vous en êtes à la fin de la période? Neuf de bâton, parfait. Vous sortez de votre zone de confort, vous allez au-delà, vous dépassez vos limites. Donc, il y a quelque chose ici avec cette carte qui nous dit que finalement, c'est le partenaire, je pense, qui va réussir à vous sortir de ce 2,
de ces deux, hein, même de la papesse, pour vous amener vers une construction, vers un mouvement, vers une élévation, vers de la concrétisation par rapport à la relation. Et ça va vous faire sortir un peu de là où vous êtes, parce que finalement, quand on est dans le 2 et dans autant de 2, parce que l'énergie 2 n'est pas mauvaise en elle-même, elle peut être très utile à certains moments de la vie, mais quand on est embourbé dans le 2, c'est compliqué de se remettre en mouvement, c'est compliqué d'aller de l'avant et de mettre en œuvre des choses. Et là, on voit que pour vous, vous en êtes un peu là. Est-ce que il y a eu des choses par le passé qui vous ont un peu bloqué? Est-ce que il y a des choses aujourd'hui qui vous bloquent? Quoi qu'il en soit, avec ce 9 de bâton, on a la garantie qu'à la fin de la période, vous sortez de cette zone de 2 et que vous pouvez aller vers peut-être plus de concrétisation et d'action. Alors, les conseils. En plus, le bâton vient reconnecter à l'émotionnel, hein, bien plus que l'épée et le pentacle. Allez, premier conseil. Valet de bâton. Prenez conscience qu'il y a des choses à changer dans votre comportement. Le valet de bâton, il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, il est très très motivé, il n'y a pas de problème, mais par contre, il n'a pas forcément la bonne technique. Et il sait qu'il va devoir réajuster systématiquement sa façon de faire, son comportement, ses agissements, pour pouvoir obtenir le résultat escompté, pour atteindre son objectif. Donc avec le valet de bâton, on vous dit, regardez ce qu'il y a à modifier chez vous pour que ça fonctionne mieux. C'est-à-dire ici, comment vous allez pouvoir sortir de cette inertie du 2 pour accompagner le partenaire qui est lui aussi dans le 2, mais capable de 8, capable de mettre les choses un peu en action. Deuxième conseil. Cavalier d'épée. Ne vous démotivez pas face aux obstacles. S'il y a des problématiques, des contraintes, dépassez-les. Utilisez votre intellect, votre capacité à réfléchir, à analyser la situation pour aller au-delà, pour dépasser ça. Le cavalier d'épée, il ne se laisse pas désarçonner par les entraves qu'il trouve sur sa route. Il les dépasse, il les combat et il est victorieux. Il a une excellente victoire. Il est triomphant, le cavalier d'épée, par rapport à ces problématiques. Donc ici, on vous dit, ne vous laissez pas happer par ce qui pourrait gêner dans la relation et dépassez-le. Peut-être que vos deux se trouvent arrêtés devant un obstacle et vous êtes comme ces chevaux, quand vous regardez, qui étaient au galop et qui tout d'un coup, pof, sont à l'arrêt devant l'obstacle et refusent de sauter et on ne peut plus rien en faire. Peut-être que vous êtes là et on vous dit non, trouvez un moyen de le sauter, cet obstacle. Alors, reculez un peu s'il faut pour prendre de l'élan, mais allez-y, sautez-le. Sortez de votre zone de confort avec ce 9 de bâton et avec le valet, modifiez votre technique si elle n'a pas fonctionné. Hein? Allez, dernier conseil. Tempérance. Discuter, parler, échanger, dialoguer, communiquer, trouver des compromis, essayer d'aller vers l'apaisement des choses s'il y avait des conflits. On n'en voit pas ici, hein, ça n'apparaît pas. Il n'y a pas de carte qui nous dit que ça peut générer un conflit. Il y a beaucoup plus de passivité que de conflit finalement. Donc avec tempérance, on vous dit, ben, allez-y, parlez, échangez, communiquez. Ne vous oubliez pas à la faveur du bien-être de l'autre ou même de la situation, à la faveur de l'harmonie globale. Exprimez-vous, dites les choses et vous verrez que normalement, avec tempérance, on trouve des solutions, on trouve des compromis. Bon, ce tirage nous indique que pour vous les scorpions, vous êtes dans une phase où les choses sont difficiles à mettre en œuvre, où émotionnellement peut-être il y a quelques blocages, quelques fermetures. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes préoccupé par d'autres choses? Est-ce que c'est parce que il y a des blessures du passé? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, il y a une problématique bien particulière avec le partenaire en question? Quoi qu'il en soit, vous avez quelqu'un qui est tout à fait disposé à utiliser ses sentiments pour faire bouger les choses, avancer, développer et sortir de la zone de confort, aller au-delà des limites, vous amener au-delà. Donc, essayez de vous joindre à cette énergie en respectant bien ces trois conseils qui sont changer ce qu'il y a à changer dans votre comportement parce que vous allez repérer très vite ce qui ne vous permet pas d'atteindre votre objectif et donc il faut le modifier. Cavalier d'épée, ne vous laissez pas désarçonner par les obstacles et dépassez-les. Et tempérance, utilisez la communication pour ce faire. Et surtout, as de bâton, qui est aussi une autre forme de conseil, ce qui aide, c'est de se mettre dans l'action. La réflexion n'est pas la solution, surtout si vous voulez du 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est la construction. Donc,
Il faut passer à l'action pour être dans le 3. On ne peut pas être dans le 2 et faire du 3. Ça ne marche pas. Ok, bon, eh ben, écoutez, j'espère que ça vous aura permis d'alimenter votre réflexion et votre travail personnel quant à cette relation. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, pendant que je brasse le jeu, je réitère ma demande de like et de commentaires puisque c'est ainsi que YouTube valorise les contenus. Donc, si vous voulez me montrer votre soutien et que je puisse continuer à vous proposer ces guidances mensuelles et annuelles, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, même si c'est juste un petit emoji. Ça me fera plaisir. Merci à tous. Allez, Scorpion, janvier, février, pour les célibataires ou toute personne en travail personnel dans le domaine relationnel et affectif. Allez, hop. Alors, votre état d'esprit, la force. Ok. Donc votre état d'esprit est plutôt à aller maîtriser vos instincts, à les contrôler, à aller apaiser les choses. Bon, on va voir la suite. Ce que vous voulez. La maison Dieu. Alors ça c'est intéressant parce que vous voulez la maison Dieu grâce à la force. On va développer ça, c'est très intéressant. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Deux chariots inversés. Ah oui, forcément. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Le monde. L'issue à court terme, le diable inversé et à plus long terme, le battleur. Waouh! Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce début d'année, mais là, j'ai fait quand même déjà pas mal de signes ce mois-ci pour la période janvier-février en sentimental. Il y a pas mal de possibilités de rencontres pour pas mal de signes. Hein. Donc, alors en plus, si vous avez ces possibilités dans votre signe solaire, dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, ça devrait quand même donner des trucs sympas pour vous. Alors, on va aller étudier ce tirage qui est à l'image des scorpions, complexe, avec une ambivalence assez intéressante, mais qui finalement donne un bon résultat parce que bah, de toute façon, vous êtes des magiciens, donc ça marche. Avec la force, ici, vous voyez que il y a ce besoin d'aller contrôler l'intériorité, les instincts, qui sont très puissants chez vous. Donc, en fait, il y a comme une volonté d'aller aplanir, assainir, mettre à l'équilibre. Vous voulez que le mental soit tout aussi puissant que l'émotionnel ne vienne pas vous déborder, que le mental ne prenne pas toute la place. C'est intéressant si vous avez regardé le tirage d'avant parce que finalement, c'est complémentaire, hein. On voit bien que les énergies, elles traversent et quelle que soit la situation, elles travaillent un peu de la même façon. Donc là, ici, on a un besoin de se contrôler. Pourquoi on a un besoin de se contrôler? Parce que vous voulez la maison Dieu. La maison Dieu, c'est quand même aller tout remettre en question, aller modifier tout votre, oui, toutes vos bases, tout votre mode de fonctionnement. La maison Dieu, c'est je veux prendre des risques, je veux aller de l'avant, quitte à tout perdre, quitte à tout vraiment remettre en cause. Et alors, on a deux énergies très différentes, une énergie très calme, très passive, très maîtrisée, et une énergie très intense, très puissante ici avec la maison Dieu. Et j'ai l'impression que ce que ça veut dire, c'est que d'habitude, vous êtes dans une intensité, dans quelque chose qui vous emporte, quelque chose que vous maîtrisez mal, justement, vous êtes plus le jeu de vos émotions que le maître de vos émotions. Et là, en fait, ce bouleversement, ce changement que vous voulez, c'est renverser la vapeur. Vous voulez dominer vos instincts, vous voulez être en maîtrise, vous ne voulez plus les subir. Et donc, effectivement, ça vient bouleverser la totalité de votre façon d'être, de votre façon de faire en relation. Alors pourquoi ça marche pas? Bon, avec le chariot inversé, vous avez choisi un obstacle un peu trop important. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que, en tant que scorpion, aller maîtriser totalement vos instincts, c'est un peu compliqué. Parce que ils sont extrêmement puissants chez vous. Vous êtes gouverné par Pluton et Mars, qui sont quand même des planètes d'intensité, d'action, parfois même de violence. Et donc, en fait, ça vous submerge, ça arrive comme ça. Donc, aller maîtriser totalement vos instincts et être en capacité de tout contrôler, je ne sais pas si c'est possible. Alors bien sûr, vous pourriez avoir d'autres aspects dans votre thème qui fait que vous pouvez être plus ou moins sujet à ça, mais en tout cas, on voit bien que là, globalement, le chariot inversé nous dit, mais c'est pas la bonne route, c'est pas la bonne voie, il y a beaucoup de... Alors,
Il y a des obstacles, vous pouvez tenter de persévérer et de dépasser ces obstacles-là. Mais peut-être qu'il y a mieux à faire. Et regardez, on vous dit avec le monde que ce qu'il faudrait faire pour que ça marche, pour que vous puissiez peut-être modifier les choses et être plus en maîtrise, c'est de vous ouvrir, c'est d'être dans l'expansion. Donc finalement, moi ce que j'entends là, c'est le fait de se décentrer. Si vous vous décentrez de vous-même et que vous êtes beaucoup plus tourné vers l'extérieur, vous en oublierez peut-être ce qui se passe intérieurement, vous serez peut-être moins sous le coup de ce qui s'y passe, moins tourné vers ça, moins attentif, et ça existera un peu moins ou ce sera moins intense. Vous voyez? C'est-à-dire que plutôt que de regarder les choses et de les affronter en face à face, ne pas y faire attention et centrer son attention sur autre chose peut peut-être amoindrir. C'est un peu le même principe, je vais vous prendre une métaphore, mais un enfant qui fait un caprice, si vous êtes dans la confrontation avec lui, le caprice va monter crescendo. Parce que l'enfant veut gagner, vous voulez gagner, vous êtes dans un rapport de force qui s'auto-alimente sans cesse. Avec les ados, ça marche beaucoup, ça, hein. Vous voyez bien des fois les escalades de positionnement d'autorité qui ne fonctionnent pas. Alors que, par exemple, on le voit bien dans les supermarchés, on dit toujours si votre enfant se roule par terre en faisant un caprice, bah, tournez les talons, partez à la caisse et puis vous verrez bien, il finira bien par s'arrêter parce que bah, il verra que ça marche pas, que personne ne le regarde. Eh bien, peut-être que vos émotions à l'intérieur font la même chose. C'est-à-dire que plus vous êtes centré sur elles, plus vous les regardez, plus elles se manifestent, plus elles font un caprice, entre guillemets. Donc, si vous voulez être en maîtrise intérieure plus grande, au lieu d'essayer de contrôler les choses, eh bien, détournez-vous. Donc, ouvrez-vous, allez vers l'extérieur, faites des expériences, rencontrez des gens, discutez, peut-être même faites des tentatives de relations pour essayer de vous décentrer. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, le résultat, regardez, c'est assez intéressant parce que c'est le diable inversé qui nous dit qu'on revient à l'essentiel. Le diable à l'endroit, vous savez, ça peut être le superficiel, hein, ça peut être les tentations. Et là, en fait, on est sur une notion d'ascétisme. C'est retour à ce qui compte vraiment, au strict nécessaire. On doit se contenter de peu avec le diable inversé. Oui, il y a de la frustration parfois en négatif, mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de là où vous en serez. Vous en serez à être concentré sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment pour vous. Alors, ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, il y a un retour aux sources, un retour à ce qui est vraiment primordial dans le relationnel et dans l'affectif. Et regardez ce que ça produit, le battleur, le renouveau, le nouveau cycle ou la rencontre. Donc, que vous soyez en recherche de guérison et de maîtrise émotionnelle ou en recherche de rencontrer quelqu'un, il y a sur cette fin de période la possibilité d'avoir une belle opportunité de rencontre. Et ça, grâce au fait que vous allez arrêter de regarder à l'intérieur et de dépasser vos obstacles intérieurs, vous allez vous ouvrir. Ici, avec le chariot inversé, l'impression que ça donne, c'est que vous êtes en lutte avec vous-même. Vous luttez avec vous-même. Vous êtes en train de vous affronter intérieurement. Or, il faut lâcher. Il faut faire diversion. Ça ne fonctionnera pas. Vous êtes puissant, votre intérieur est puissant. Donc, en fait, ça ne fera qu'une confrontation qui sera presque interminable et qui va vous épuiser. Si vous voulez changer les choses, faites diversion. Modifiez peut-être quelques façons d'agir vers l'extérieur et vous verrez que ça modifiera l'intérieur, ça vous ramènera à l'essentiel et ça vous ouvrira les portes d'un nouveau départ. Donc voilà pour vous les scorpions sur ce tirage de vie émotionnelle. J'espère qu'il vous aidera à cheminer par rapport à votre question, par rapport à ce qui vous occupe sur cette période-là. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.